Jour 23 de l'ouverture dans le calendrier de l'Avent. Dans le calendrier Harry Potter, je découvre le professeur Trelawney de la maison Serdaigle et qui enseigne la divination. Dans mon calendrier M&M's, on découvre un petit paquet de M&M's. Et en fait, je crois que dedans, ce ne sont pas vraiment des M&M's. Ce sont des M&M's genre un peu Smarties et il y en a 11. Dans le calendrier d'été des compagnies coloniales, on a du thé vert et thé blanc de Chine, arômes fruits rouges, amandes, miel et fleurs. Il s'appelle 170 ans. Si quelqu'un sait pourquoi 170 ans, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Dans le calendrier du chocolat de Bayonne, on a un sapin au chocolat au lait. Dans le Waterloo, de cassis, fleurs de sureau et açaï. Dans le calendrier d'Augusta Bob's, on a une petite marinade au piment d'Espelette. Elle a l'air très très bonne. Dans mon calendrier de l'Avent Geocaching, la case numéro 23, on a une grosse boîte. Donc je pense, sans trop m'avancer, que c'est une cache. Donc là, un petit peu déçu. Mais finalement, à l'intérieur, on trouve des petits sujets. Donc un en forme de flocon, un en forme de bonhomme de neige. Et du coup, ils sont pas mal. Ça fait un petit peu wood, mais c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Pour le calendrier de l'Avent de Bobby, on retrouve ces petites graines au miel. Donc voilà. Bon, on se retrouve demain à 21h et on aura une petite surprise pour vous pour Noël. Allez, ciao ciao, pensez à vous abonner, à laisser des commentaires. À demain.